Bonjour, vous êtes à Causons Affaires, le rendez-vous des entrepreneurs en quête d'informations et d'astuces pour la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui, nous recevons l'entrepreneur Fanta Doucouré et nous aurons aussi le spécialiste Ed Vertu. Bienvenue à Causons Affaires. Mon nom est Josette Garraud et je serai accompagnée de ma co-animatrice Jaël Élisée. Bonjour Jaël. Bonjour Josette. Bonjour Fanta. Bonjour. Bonjour Fanta, bienvenue à l'émission Causons Affaires. Merci beaucoup de l'invitation. Fanta, tu es dans le domaine de la coiffure et je crois de cela depuis plusieurs années. Donc, je pense que tu as commencé même depuis l'âge de 14 ans. Oui. Et tu es installée à Saint-Hyacinthe. Oui. Peux-tu nous parler un peu de comment ça a commencé, quels ont été tes débuts et au niveau de la coiffure, et également, tu as lancé ton entreprise depuis 12 ans. Donc, oui. Comment ça s'est passé un peu? Comment ça s'est passé? En fait, comme souvent j'aime bien dire, là, ça a vraiment débuté par accident. Parce qu'en fait, moi, comme étant une des jeunes noires en région, j'avais souvent les tresses là, avec les mèches que ma mère me faisait. Et j'avais des copines qui voulaient vraiment avoir ça aussi parce qu'elles disaient que je n'avais pas à me coiffer. Donc, j'avais des copines très paresseuses, en fait. Et puis, donc, j'avais une qui était tellement têtue, elle voulait tellement des tresses. Je lui disais non, ce n'est pas pour les blancs, c'est pour nous les noirs. C'est vos cheveux, ça, on ne peut pas tresser. Mais elle était sûre que oui. Donc, elle est venue à Montréal par elle-même acheter les mèches sur Saint-Denis. Wow. Et elle est venue chez moi, puis elle m'a dit, tu viens dormir chez moi ce soir, et puis tu vas faire mes tresses demain. C'est déjà réglé avec ta mère et tout. C'est comme, hein? OK, c'est bon, j'y vais. Oui, elle a vraiment organisé. Oui, oui, vraiment. Là, je lui avais chargé 20 $ parce que quand même, tu ne peux pas faire ça gratuit. Ça m'a pris 12 heures faire sa tête environ. Et puis, quand je lui ai fait, elle est allée à l'école le lundi à la polyvalente Hyacinthe Delorme à Saint-Hyacinthe. Et là, toutes les filles ont demandé c'était quoi. C'était tellement comme inusité. On avait mis en plus un peu de couleur. Donc, les gens ont posé des questions et elle a donné mon numéro juste à tout le monde. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a juste donné. Quand je suis arrivée chez moi, j'avais des messages là, à la tonne. Attends, je voudrais des tresses comme tu as fait à telle fille. Je veux ça. Lundi, mardi. Mais le mercredi, j'ai une qui m'a vraiment. Elle m'a touchée parce qu'elle m'a proposé 60 $. Elle m'a dit, wow. J'ai 60 $, je vais faire des tresses comme tu as fait. C'est ça, je la rappelle. J'ai 14 ans, 60 $, c'était beaucoup d'argent. Donc, je lui ai donné rendez-vous chez moi. Elle est venue chez ma mère dans ma chambre. Je l'ai tressée et puis ça a juste commencé comme ça. Donc, elle est arrivée aussi le lendemain, puis elle a dit aux filles, si tu veux avoir des tresses, propose-lui de l'argent. Donc là, les filles commençaient à m'appeler, c'est combien? Donc, tu dis 60, mais ça me prenait des 10 heures, 12 heures, donc j'ai un peu augmenté jusqu'à 120, 140. Et puis, les gens appelaient quand même. J'avais des clients de Drummondville, j'allais jusqu'à Victoriaville, j'avais des gens même jusqu'à Sainte-Thérèse. Donc, toute mon adolescence, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait les tresses, mais j'ai travaillé quand même dans différents petits travaux, comme on fait tous là, McDonald's et tout. Mais à chaque fois que je faisais un travail, quand je calculais les tresses, c'est le plaisir, ce que ça rapportait, ma liberté, qui moi j'aime vraiment tout ce qui est liberté. Donc, je faisais un peu le travail finalement au bout de quelques temps, peut-être une année, je quittais pour juste me concentrer sur les tresses. Mais après, je me disais, non, je ne peux pas faire les tresses toute ma vie, il faut que j'aie un vrai travail. Donc là, je retournais travailler, finalement, je revenais. Et puis, avec le temps, vers 19 ans environ, j'ai dit, bon, je crois que je vais vraiment me concentrer sur ça. J'ai fini mes études secondaires, je ne savais pas quoi faire, donc je suis allée faire le cours lancement d'une entreprise à l'école professionnelle, à Saint-Hyacinthe encore. Puis après, bon, j'ai fait mon plan d'affaires et puis Mais c'est bien parce que tu as fait la formation lancement d'une entreprise. Dans cette formation-là, souvent, on nous apprend à choisir la bonne localisation. Mmh. Toi, ta localisation était déjà choisie. Tu étais à Saint-Hyacinthe, mais tu n'as pas pensé à aller à Montréal parce que la clientèle noire qui fait des tresses, habituellement, est à Montréal. Elle est beaucoup plus à Montréal. Hein? Mais oui. C'est ça le truc, c'est que oui, j'y ai pensé, évidemment. C'est sûr que je suis venue. J'ai fait, justement, quand je faisais l'étude de marché pour le plan d'affaires et tout ça, parce que dans ma tête à moi, c'était Montréal, la grande ville, c'est là qu'il y a tous les immigrants. Et puis, mais durant ce temps-là, c'est qu'il y a eu, comme une vague d'immigration qui est arrivée à Saint-Hyacinthe. Et ils ont comme décidé de développer plus la ville, peut-être d'axer beaucoup sur l'immigration. Donc, les gens sont arrivés massivement. Et là, j'ai réalisé que, en fait, même moi, pour venir, pour m'acheter juste ne serait-ce qu'une crème pour ma peau ou mes cheveux, un défrisant, il faut que je vienne à Montréal. Donc là, quand j'ai vu les gens arriver à Saint-Hyacinthe, je me suis dit, mais eux aussi vont devoir aller à Montréal. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai décidé de prendre à Saint-Hyacinthe. D'autant plus qu'il y avait aucune compétition, ni à gauche, ni à droite. Donc, il n'y avait vraiment rien. Alors, c'est pourquoi j'ai vraiment décidé de m'établir à Saint-Hyacinthe pour éviter la compétition, justement, et puis pour offrir, être la seule, en fait. Donc, les gens qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ils viennent. Très intelligent, vraiment. Intéressant. Justement, tout à l'heure, tu nous as mentionné que
tu venais à Montréal pour acheter des produits parce qu'il n'y en avait pas. Donc, au niveau de ton salon, mis à part des tresses, tu as incorporé aussi des produits, d'autres services. Peux-tu nous parler un peu brièvement comment tu as fait l'incorporation? Pourquoi, qu'est-ce que tu as priorisé? Comment tu as fait tes choix, en fait? Ben, en fait, quand j'ai ouvert, c'était vraiment une épicerie. Vraiment, et puis j'ai vraiment pris un grand local. C'est quand je suis en ouvrant, j'ai pris un grand local, il y a deux étages et puis c'était très long. Donc j'avais une section épicerie parce que pour tout ce qui est nourriture aussi, évidemment, il n'y avait rien dans... On veut bien aller chez Metro, IGA et tout ça, mais on ne va pas trouver nos bananes plantées facilement comme ça. Donc j'ai décidé de mettre vraiment l'épicerie. Ensuite, il y avait tout ce qui était produits cosmétiques. Donc les mèches, les produits pour la peau, nos produits pour nos cheveux. Et ensuite, il y avait la partie coiffure. Donc je coiffais aussi sur place. C'est sûr qu'avec le temps... Quand tu réalises dans les domaines alimentaires, et justement, je lève mon chapeau à tous les gens qui ont des épiceries parce que le profit est très petit. Ça prend vraiment une persévérance et puis ça prend un courage énorme. Et donc, moi, avec le temps, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de profit à faire. Alors, j'ai enlevé la partie alimentaire petit à petit pour seulement me concentrer sur tout ce qui était esthétique, coiffure. Et puis, après ça, j'ai rajouté d'autres produits entre-temps, mais c'est comme ça. On ne veut pas dévoiler tes secrets professionnels, Fanta. Tu as parlé de ta copine au début qui a parlé de toi à toute sa classe. Comment tu fais maintenant pour promouvoir tes services? C'est quoi la stratégie que tu utilises? La stratégie, bien, heureusement que les réseaux sociaux sont vraiment apparus. Quand j'ai ouvert, il n'y avait pas ça encore en 2006, donc c'était beaucoup... c'est vraiment le bouche à oreille qui m'a vraiment... Moi qui m'aide beaucoup, même encore aujourd'hui. Je suis vraiment référée par plusieurs salons, étant un des seuls qui peut faire ce qui est vraiment un salon pignon sur rue qui fait ça. Mais avant, j'ai beaucoup mis d'argent dans les débuts, dans les journaux, dans tout ce qui était publicité, les vendeurs qui viennent sur place puis qu'ils te vendent quelque chose que tu n'as pas de besoin, finalement tu le prends et puis ça ne te rapporte pas beaucoup. Mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'utilise. La page Facebook, elle est très active. Et puis j'ai aussi Instagram, bien vraiment le bouche à oreille, je pense, c'est ce qui est le encore plus. Donc tu mets des photos de ce que tu fais. Oui, on met des photos, des vidéos. Je suis avec le même coiffeur depuis maintenant 10 ans qui est avec moi, Benjamin, qui est... Je veux dire, hors pair et excellent. Donc, on est ensemble depuis 10 ans. Et puis, c'est vraiment juste ça que je fais. Oh, intéressant. Juste brièvement pour nous dire, justement, au niveau de... Tu nous as parlé de ton coiffeur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi aussi? On a été... Il y a eu un temps, je suis allée jusqu'à même 8 personnes. C'est vraiment un grand centre de beauté que j'avais démarré. Et puis, tu sais, avec le temps, on avait rénové, ouvert le deuxième étage. Donc, on était jusqu'à 8. Mais est venu un temps après, comme j'ai même ouvert un deuxième à Drummondville, tu sais, qui était très beau aussi. Je l'aimais énormément. Mais c'est qu'avec le temps, j'ai réalisé que la coiffure... J'aime beaucoup ça, mais j'aime vraiment les affaires, en fait. Là. Donc, tu sais, puis en ayant deux salons ou avec beaucoup de personnel, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas coincée, mais que je pouvais pas faire autre chose. Et Dieu seul sait à quel point j'ai beaucoup de projets. Ça a beaucoup tellement, de talent. Beaucoup diversifié. Donc, tu sais, quand j'ai réalisé qu'en fait, je devais être toujours là, je peux pas avoir aucune liberté. La raison pourquoi je suis partie en affaires, c'était d'avoir ma liberté. Mais là, je n'avais plus aucune liberté. C'était Drummondville, Saint-Hyacinthe. Puis l'été, il y a eu l'été, j'ai aussi un kiosque à l'exposition agricole à chaque année. Donc là, cet été-là, j'avais Saint-Hyacinthe, l'exposition agricole pendant 10 jours et Drummondville. Et les choses faisaient que, en fait, il fallait que je me divise en trois à chaque jour. Donc, il y a même eu une journée, j'étais à Drummondville, j'ai dormi sur le lit d'esthétique pour ouvrir le matin, l'après-midi, aller faire une cliente à Saint-Hyacinthe, ensuite aller à l'expo. Finalement, après l'exposition, j'ai dit non, c'est trop, c'est vraiment trop pour moi, j'ai besoin de... Merci beaucoup, Fanta. Mais reste avec nous parce qu'on va passer à une petite pause. Restez avec nous après la pause, on continue avec Fanta. On va parler de... Elle va nous donner quelques conseils et puis on va parler de ses projets futurs également. Nous sommes de retour avec notre entrepreneur, Mme Fanta Doucouré. Nous aimerions parler maintenant des défis, conseils et projets futurs. Fanta, tu as mentionné tout à l'heure que tu avais eu des difficultés au début avec le financement. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés? Oui, j'en ai eu plusieurs quand même. J'avoue que le financement a toujours quand même été... un petit défi, parce que comme j'en ai pas eu, que j'ai ouvert avec des cartes de crédit, ça a été un peu compliqué. Mais après, je dirais, le plus grand défi que j'ai eu à faire, c'est moi, je pense, c'est vraiment moi-même, parce que j'ai la confiance comme aveugle. Je pense que c'est ce que j'ai fait le plus grand, le plus gros difficulté, c'est vraiment que je me suis toujours
associé ou allié aux mauvaises personnes. Pas parce que les gens étaient mauvais ou parce que, tu sais, moi, je vois, mais c'est moi qui prenais la mauvaise décision. Tu sais. C'est vraiment quelque chose que je viens de réaliser maintenant. Mais j'ai, c'est ça, j'ai ouvert avec, j'avais parlé avec une copine, une connaissance, qui a pris le plan d'affaires. Elle a tout simplement ouvert de son côté. Après ça, quand je suis partie en Chine la première fois, je suis partie avec une autre copine, ben, connaissance encore, parce qu'on ne peut pas appeler ça vraiment des copines aujourd'hui quand tu réfléchis. Elle voulait m'accompagner, donc moi j'ai pris un billet d'avion. Comme tout est made in China, je me suis dit, je vais aller acheter mes cheveux là-bas, toutes mes choses. Donc une copine voulait vraiment venir avec moi, parce qu'elle disait qu'elle avait connaissait personne qui était game de voyager aussi loin. Donc elle est venue, et moi j'ai fait mes choses, j'avais fait tellement de recherches auparavant. Donc elle a tout regardé, elle m'accompagnait, elle souriait. On est revenu 3 mois après, elle est retournée. Et tous les contacts que moi, je m'étais fait là-bas, donc elle a acheté elle aussi des produits. Elle a fait un copier-coller, en fait, de mon entreprise à une rue de moi. Donc, il y avait, je te dirais, environ 300 mètres maximum qu'il y avait entre moi et son salon. Mais et l'autre fille, la première, avait déménagé derrière. Donc, une fois, j'avais calculé les pas. Ça faisait vraiment un triangle équilatéral, les trois. Donc là, je me suis dit, Dieu, si réellement tu es vrai, que tu existes, comme tu peux pas. Ça ne peut pas durer. Donc, j'ai donné un deadline, si on veut, à Dieu. Mais c'est pas vrai, là. Mais, façon de parler, j'ai dit, comme ces deux-là ne peuvent pas rester ouverts. T'sais, d'ici 2 ans, ces deux filles-là, leur entreprise prospère et elles sont ouvertes, c'est vraiment parce qu'en fait, ça me sert à rien d'être une bonne personne. T'sais. Mais c'est qu'en fait, elles n'avaient pas ton expertise. Exact, c'est ça. C'est ça la clé, exactement. La personnalité. Elles avaient l'argent. Elles avaient le financement. Moi, j'avais la personnalité et j'avais l'idée. Donc, les deux, ils ont essayé, ils n'ont pas togé, la fille retourner souvent en Chine. Et même une fois en Chine, je l'ai croisée. Et puis, comme elle ne parle pas du tout anglais, puis c'est vraiment. Donc, je l'ai vue, elle avait quelques difficultés à parler avec les choses. Donc, je suis allée l'aider. Je l'ai vraiment aidée. Puis, je l'ai accompagnée. Puis, j'ai conseillé quelques trucs. Puis, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'est impossible. Je veux dire, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, je l'ai aidée. On est même, quand elle est revenue ici, après, quand mon ami, mes contacts là-bas ont su vraiment comme la vraie histoire. Et même un m'a dit, moi, je ne vais plus travailler avec elle. Je vais essayer de trouver ça trop, ça ne se fait pas. Je lui ai dit non, au contraire, je dis, c'est toi, tu as besoin d'argent. Donc, puis elle aussi, donc je dis, fais-le. J'ai confiance, ce n'est pas un problème. La personne était tellement surprise de ma réaction. Et puis, quand elle a fermé, c'est aussi au début, quand j'avais fait le petit deal un peu avec Dieu, comme 2 ans, je m'étais acheté une bouteille de champagne et 6 coupes. Que j'ai gardé, et puis je me suis dit, quand elles vont fermer, je vais célébrer ça. Donc, une a fermé au bout d'un an et 10 mois, et l'autre 1 an et 8 mois environ. Donc, quand les deux ont fermé, j'ai pris la bouteille, j'ai popé le champagne, et je suis allée devant les deux entreprises, et j'ai fait, salut, et j'ai bu comme ça. Mais ça a été, je pense, moi, les plus gros coups que j'ai eus, puis évidemment, bon, des employés, des choses comme ça, mais sinon, c'est ça, ouais. C'était vraiment ça, mes deux plus gros... la confiance, en fait, les gens. J'ai vraiment découvert que les gens en affaires, il y a vraiment des gens qui sont l'amitié pas bien. L'amitié et les affaires, c'est ça, deux choses c'est différentes, pas... tout à fait. C'est là, vraiment, des fois qu'on dit qu'on remarque qu'ils sont vraiment nos vrais amis. C'est ça, oui. Tout à fait. Puis en affaires, on n'a pas vraiment d'amis. Pendant, je voulais te demander aussi... tout à l'heure, tu viens de nous parler, en fait, de tes défis. Mm-hmm. Malgré tout ça, je veux dire, tu as eu quand même une concurrence et tout ça... quels sont les éléments clés, d'après toi, qui fait que, malgré tout ça, fait 12 ans que ton entreprise existe et qui fonctionne toujours très bien? Quels sont les éléments clés, en fait, qui te permettent, en fait, de réussir? En fait, là, honnêtement, c'est maintenant comme que je l'ai réalisé. Les gens me le disaient beaucoup, mais c'est vraiment mon cœur. Honnêtement, je suis quelqu'un qui est très simple et j'aime tout le monde. Je vais servir autant que j'ai des clientes, des directrices de banque, j'ai des clientes vraiment comme que normalement tu t'assois devant elles. Et t'as d'autres personnes qui sont des monsieur, madame, tout le monde, même d'autres avec dans un niveau de vie un peu ce que les gens pourraient dire de bas. Mais honnêtement, moi, je traite tout le monde égal. Vraiment, je n'ai aucune différence avec les personnes, peu importe le métier qu'elles sont. Et puis, c'est ma compassion. C'est souvent, c'est même arrivé quand même que des fois j'ai fermé l'entreprise pour aider quelqu'un, une cliente qui avait des problèmes personnels. Donc j'ai fermé, j'ai annulé mes clients. Je suis venue ici avec elle à Montréal, on s'est baladé, je l'invite au restaurant. Et même encore avant hier, j'étais à Québec en début de semaine et j'avais une cliente qui devait vraiment avoir des tresses juste ici le côté là. Puis elle avait une soirée. Et puis quand je suis redescendue de Québec hier nuit, en fait, j'ai arrêté chez elle à 2 h du matin et je lui ai fait les tresses. Wow. C'était pas long, ça 15 minutes, mais le message qu'elle m'a envoyé comme hier soir,
avec tellement de remerciements et tout ça, je crois que tu sais, comme ça vaut tous les petits 10 $ que je suis allée chercher. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment ça, le fait que je donne plus que ce que le client demande. Tu sais, ben, puis je le fais avec passion et cœur. Par rapport à ça, oui. On avait une question parce que tu parles de cœur, tu parles de compassion, on voit que tu veux beaucoup donner. Tu as fondé un organisme qui s'appelle Jeunes en action pour intégrer le monde. Peux-tu nous en dire plus? C'est quoi cet organisme-là? Ben, en fait, le J'aime, c'est mon bébé. Le J'aime, c'est... Tu sais, c'est que parce que moi-même, étant une adolescente comme un peu perturbée et perturbante, tu sais, j'ai vraiment eu comme une adolescence qui n'était pas très facile, tu sais, dû au fait peut-être parce que je suis arrivée très jeune, tu sais, dans un environnement qui était totalement opposé au mien, que tu sais, j'ai vécu quand même, il y a eu tu sais, beaucoup de tu sais, difficultés d'adaptation, d'intégration et puis beaucoup de colère aussi refoulée. Et tu sais, c'est sûr que j'étais dans la campagne, là. Donc, tu sais, on a eu des comportements un peu qui n'étaient peut-être pas... C'est parfait. Donc, tu sais, j'avais envie de créer quelque chose qui allait aider beaucoup ces gens-là parce que moi-même, tu sais, je n'ai pas senti que j'avais exactement tu sais, le besoin. Tu sais, oui, il y avait plusieurs aides un peu, mais j'ai toujours l'impression que ça faisait que frôler tu sais, la surface tu sais, du problème. Et j'avais envie de créer quelque chose qui permettait aux jeunes de se développer, de développer leur plein potentiel, d'apprendre la valeur qu'ils ont. Parce que malheureusement, les jeunes sont tellement... On est tellement comme... Tu sais, on ne connaît pas en fait qui on est. On ne connaît pas le potentiel. Puis beaucoup de gens sacrifient leur potentiel pour de la sécurité. Et moi, je voulais amener les jeunes à devenir plus audacieux. Donc, puis évidemment, c'est en relié avec mon pays et avec tous les pays en fait, d'Afrique. Donc, c'est de prendre des jeunes ici qui ont des problèmes de consommation, de drogue, qui ont des problèmes comportementaux, qui ont du rejet, qui sont, ou même tout simplement quelqu'un qui a envie de changer sa vie, d'embarquer dans ce projet-là et de faire des voyages humanitaires pour aller aider, construire dans mon pays avec différentes façons dont la méthode Earthship, quelque chose que je trouve exceptionnel, c'est que tu ramasses, disons, les bouteilles ou les pneus que tu vas empiler. C'est sûr qu'il y a vraiment, tu sais, comme tout est vraiment technique là. Donc, tu sais, là, je vais juste le dire vite, vite. Mais tu prends les bouteilles, tu les empiles ou les pneus et puis tu peux, avec le sable, et ça fait des bonnes fondations. Tu avais comme l'argile, tu fais comme tout figer ça et ça construit, tu sais, le bâtiment. Parce que chez moi, l'école, j'ai, bon, il y a l'école, on s'entend, c'est pas... Quand il pleut, il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas de toit. Et l'école, elle est environ à plusieurs kilomètres, donc il faut marcher. La saison des pluies, quand il y a trop d'eau, on ne peut pas y aller. Les maisons, ils s'effondrent parce qu'ils sont faits en boue. Donc, à chaque année, il faut recommencer. Donc, derrière, même là, en ce moment, je parlais avec mon tonton il y a quelques semaines, plusieurs maisons du village sont tombées. Donc, puis c'est comme ça à chaque année. Donc, est-ce que ça fait partie, on va conclure sur ça, est-ce que ça fait partie de tes projets futurs de continuer ça? Futur, présent, passé. Okay. Ça fait vraiment partie. En fait, je pense que c'est l'essence même de ma vie, en fait, le J'aime. Si j'ai ouvert vraiment la boutique et je fais les affaires, c'est pour avoir un nom, c'est pour comme pouvoir m'établir, pouvoir avoir les finances et la crédibilité. Parce que le J'aime, j'ai commencé à créer ça, j'avais même pas 10 ans, en fait. Wow. C'est un projet que... C'est la première fois que j'ai pensé à ça quand je marchais sur la rue à Upton et que j'ai réalisé comme le goudron. Et que je pensais à chez moi, il n'y a rien, c'est pas goudronné. Quand l'école, on ne peut pas être... Donc, c'était tellement des choses. Donc, j'ai établi petit à petit jusqu'à j'ai environ 10 ans. Aujourd'hui, 35 ans. Merci beaucoup, Fanta. Merci. On voit que tu es une femme d'action, une femme de cœur, une femme de compassion. Exactement. Donc, restez avec nous. Après la pause, nous aurons notre spécialiste Aide Vertu. Nous allons parler de commerce de détail et de financement. Nous sommes de retour avec Aide Vertu, notre spécialiste, qui est stratège en développement de PME. Bonjour Ed. Bonjour Josette. On a quelques questions pour toi concernant le commerce de détail cette fois-ci. Écoute, tu aides beaucoup les entreprises qui sont dans le domaine des commerces de détail et qui sont en croissance. Pourrais-tu nous dire quels sont les éléments importants à considérer lorsqu'on est en croissance? Puis lorsqu'on parle croissance, ça veut dire que vous êtes déjà en affaires au moins depuis 2 ans. Mm-hmm. Donc vous avez une clientèle, vous avez un chiffre d'affaires. Donc les éléments qui sont... Un des plus importants, c'est est-ce qu'on va être capable de garder notre clientèle? Et pour savoir si on peut garder notre clientèle, mais ça dépend quel genre de produits et services qu'on les offre, puis est-ce qu'ils sont adaptés à cette clientèle-là? Parce que moi, je dirais que ça serait la première des choses, maintenir le niveau de volume de vente que nous avons. OK. Très bien, Ed. Au niveau du commerce de détail, en fait, on sait que ce n'est pas un grand secret pour tout le monde. Ça comporte beaucoup de défis. Donc, il y a la concurrence, il y a également l'évolution des changements de mode d'achat de la clientèle.
comment on fait aussi au niveau de... Comment on peut assurer, en fait, la pérennité puis la croissance de notre entreprise? Bien, en entrant dans le marché, on rentre forcément avec un positionnement. C'est qu'on a regardé qu'est-ce qui se passait dans l'environnement, qui étaient les concurrents, puis vous vous dites, voici comment je me positionne, soit par le prix, soit par le produit, soit par votre réseau de distribution ou la façon que vous faites votre promotion. Donc, si vous êtes rendu à 2 ans, donc c'est peut-être un indice que vous avez eu un bon positionnement. Parce qu'un très mauvais positionnement pourrait même faire que vous ne pourrez même pas durer 6 mois. Surtout ce qu'on parle de commerce à détail, donc vous avez un loyer à payer, vous avez des employés à payer. Donc, quand vous êtes rendu à 2 ans, c'est qu'au moins votre positionnement répondait aux demandes d'une certaine segment du marché, je pourrais dire. Puis l'idée, bien, c'est de le maintenir. Si votre stratégie, c'était de donner toujours un excellent service à la clientèle, vous appelez les clients après que vous avez fait le service, vous faites des sondages, vous les envoyez des cartes pour leur anniversaire, mais il faut continuer. Même si vous trouvez que ça commence à coûter un petit peu d'argent et de l'énergie à le faire, bien, si c'est ça qui vous a rendu à votre deuxième année, mais il faut continuer à le faire pour garder votre positionnement. Bien. On a parlé de pérennité. Tu as mentionné que c'est souvent le moment où on a des employés à gérer. Comment on fait pour s'assurer d'une bonne rétention d'employés? Quand on a un commerce de détail, ce n'est pas toujours facile. Les employés ne restent pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les garder avec nous? Commerce à détail, de façon générale, il y a très peu d'employés spécialisés qui ont une formation spécifique. Donc, il y en a beaucoup qui sont sur le marché. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout le monde, exemple, si on parle de commerce à détail, tout le monde paye le salaire minimum. Et c'est difficile en commerce à détail d'augmenter le salaire. Mais si jamais votre position vous permet d'augmenter vos prix, donc vous avez des bonnes marges, bien, oui, vous pouvez augmenter le salaire. Puis, à défaut de ne pas augmenter le salaire, mais vous augmentez les avantages, les rabais qu'il peut avoir lorsqu'il utilise vos propres services. Tout ce que vous pouvez faire pour les fidéliser, ça peut être aussi des fêtes de fin d'année que vous faites qui sont très intéressantes. Donc, non, le salaire n'a pas augmenté, mais vous allez chercher un sentiment d'appartenance à partir de ces employés-là, je dirais. C'est intéressant, ça. Ed, tout à l'heure, tu nous as mentionné un petit peu quelques éléments au niveau de la fidélisation de la clientèle. Je pense que ce serait intéressant si tu peux nous donner encore quelques éléments, en fait, comment on arrive à fidéliser dans le commerce de détail, à fidéliser la clientèle. OK. Commerce de détail, donc, on parle que ce soit un fleuriste, une boutique ou un restaurant, c'est que vous avez pignon sur rue. Donc, les gens, pour toutes sortes de raisons, il y en a qui vont voyager beaucoup pour se rendre chez vous. D'autres vont considérer que c'est un commerce de proximité. Donc, ils disent, moi, j'y vais parce que ça me prend 5 minutes de marche. Donc, peu importe la raison pour laquelle les gens sont venus, ils sont venus pour un élément spécifique chez vous. Puis cet élément spécifique-là, il faut le garder. Parce que trop souvent, les gens... Exemple, je reviens sur le service. Parce qu'il y a toujours un service qu'on va donner au début. On dorlote les clients. Puis là, ensuite, on commence à déborder. On dit, mais je ne suis plus capable de les dorloter. Il faut continuer à les dorloter. Peut-être que ça va vous dire agrandir l'équipe. Mais si vous voulez maintenir votre avantage concurrentiel, parce que c'est ce qui fait que les gens sont venus chez vous, mais il faut le faire. Parlons justement d'avantage concurrentiel. Le service à la clientèle en est un. Ce n'est pas égal partout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme dernier conseil pour pouvoir améliorer son service? D'accord. Lorsqu'on dit que le client est patron, bien, en anglais, le terme « patron », ça veut dire « client ». Ça veut dire « client important ».« Our patrons ». Et puis, si on l'envoie en français, bien, c'est de considérer que chaque client est un client spécial. Et quand le client sent qu'il est spécial, bien, c'est ça qu'il va le retenir à vous. Exemple, agence de voyage. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont sur le site Internet, ils vont chercher le prix le plus bas, mais beaucoup d'agences de voyage travaillent très fort au niveau du service, personnaliser leur service, parce que c'est plus juste une question de prix et de destination. C'est tout ce qui vient avec, les questions qu'on va poser, les 8 appels téléphoniques qu'on va faire pour finalement faire une transaction. Alors que probablement que la personne aurait pu aller sur un site Internet puis aurait trouvé son meilleur prix. Okay. Merci beaucoup, Ed. C'est tout le temps qu'on avait. Oui, malheureusement, c'était très intéressant. Vraiment. Merci d'avoir participé aux Causons Affaires. Puis on espère que les conseils que Ed nous a prodigués aujourd'hui bien, auront servi aussi aux gens qui regardent l'émission. Suivez-nous sur les médias sociaux. Ed, un peu plus tôt, on a vu une propriétaire de salon de coiffure.
On va parler service à la clientèle, tu l'as mentionné un peu plus tôt. Ce n'est pas le même partout, ce n'est pas égal, que ce soit les commerces de détail, les magasins, les restaurants, le temps d'attente, l'accueil, ce n'est pas tout le temps pareil. C'est quoi les bonnes pratiques d'affaires pour un commerce, pour pouvoir avoir un bon service à la clientèle? D'accord. Vu que vous avez parlé de salon de coiffure, je n'ai pas le choix de répondre en fonction de salon de coiffure parce que ça ne peut pas être pareil pour tous. Salon de coiffure, souvent, ça fonctionne par groupe ethnique, par exemple. Puis, il y a des pratiques qui diffèrent en fonction des groupes. Exemple, les gens qui sont originaires d'Afrique ou des Antilles, la notion de rendez-vous est très relative. Est-ce qu'on prend des rendez-vous? Les gens occidentaux, ça fonctionne essentiellement par rendez-vous et les clients sont à l'heure. Tout à fait. Et quand les clients sont à l'heure, bien, il y a comme tout un setup. Comme il y a un salon qui est à Lévis, à Québec, eux, le setup fait que vous arrivez 15 minutes avant votre rendez-vous et les clients arrivent, puis ça leur donne le temps de leur préparer des petits traitements, incluant le cappuccino, en fonction de leur goût. Cappuccino, café, d'autres, c'est le thé, la façon qu'ils servent. Donc ça, c'est des petits éléments, mais qui contribuent à l'offre globale que la personne donne au niveau du service à la clientèle. Puis avec ces petits soins-là, si jamais vous trouvez que votre teinte est un petit peu plus foncée que d'habitude, mais ça va comme aider à pallier la situation, puis vous allez quand même revenir voir votre styliste. Mais le service à la clientèle, comment je pourrais vous dire, et puis particulièrement dans le salon de coiffure, c'est très, très, très orienté sur la personnalité des personnes qui donnent la prestation de service. Par exemple, vous allez chez la coiffeuse, elle vous raconte sa vie, mais aussi la vie de la voisine et la vie de votre voisin. Donc, vous venez avoir toutes sortes d'informations. C'est une communauté. Oui, une communauté. Alors que, tu sais, si vous allez chez le dentiste, c'est pas le même genre de discussion que vous allez avoir, tu sais, ou votre boucher. Vous n'avez pas trop le temps. Donc, c'est pour ça que c'est variable, mais l'important, c'est considérer que le client est un patron dans le sens patron, parce qu'en anglais, client privilégié, on appelle ça patron. Et puis, qu'est-ce qui arrive lorsque vous faites une prestation de service puis votre patron est là? Bien. Vous faites bien. Oui. Beaucoup plus bien. Vous faites attention aux détails. Vous vous rappelez des protocoles d'application que vous avez. Donc, imaginez que pour chaque client, vous appliquez le même protocole. Mais c'est ça que ça s'appelle donner un service exceptionnel. Et puis, lorsque c'est naturel, donner un service exceptionnel, c'est sûr que ça renforce le positionnement que vous avez et les clients, bien, ils restent fidèles. 5, 10, 15, 20 ans. Intéressant. Dernière petite question pour toi, Ed. On sait que l'accessibilité au financement, c'est toujours un élément qui revient, qui est toujours difficile. Mais, surtout dans certains secteurs, si on parle de la restauration, secteur de, on parlait du salon de coiffure, même malgré que l'entreprise est toujours est déjà en activité, l'accessibilité est difficile. Pourquoi est-ce aussi difficile dans ces secteurs-là d'avoir accès à du financement malgré que l'entreprise est en opération? Et quel conseil que tu peux donner à ces personnes-là pour bien se préparer, pour finalement avoir du financement? D'accord. Au niveau du financement, il y a deux groupes de financement. Il y a le financement qu'on peut recevoir du réseau de soutien à l'entrepreneuriat du Québec. Ça peut être PME Montréal comme organisme, Filaction, Investissement Québec et autres. Mais il y a aussi le financement bancaire traditionnel et la majorité des entreprises qui vont chercher du financement, c'est le financement bancaire traditionnel. Et ensuite, ils vont le combiner avec d'autres sources. Mais à la base, c'est une des principales sources. Surtout si on parle de projets de 100 000 $ et plus. Le financement bancaire traditionnel, il regarde deux éléments. L'individu et le projet. L'individu, on regarde sa cote de crédit et sa valeur nette. Et puis, au niveau du projet, on regarde bien dans quelle industrie. Exemple, restauration, certaines institutions financières, la réponse est claire, on ne prend aucun risque avec la restauration. Donc, si vous avez besoin de 100 000 $ il faut me démontrer que vous valez 300 000 $ Donc, moi, à aucun moment, j'ai été influencé par vos projections financières de votre restaurant. Wow. Puis, si c'est 500 000 $ que vous voulez, bien, montrez-moi que vous valez 1,5 million de $ Donc, ils ne prennent aucun risque. Ça, c'est une chose. Et ensuite, lorsqu'on arrive au niveau du réseau de soutien à l'entrepreneuriat, c'est beaucoup mieux parce que, oui, certains vont regarder votre niveau de crédit, très peu vont regarder votre valeur nette. Donc, on se concentre beaucoup sur l'individu et son projet.
Encore là, salons de coiffure et restaurants ne sont pas privilégiés par ces fonds-là. Qu'est-ce qui fait que vous allez quand même pouvoir essayer de forcer des portes? Mais c'est si que vous avez quand même eu une bonne partie du financement traditionnel bancaire et vous amenez une plus-value. Exemple, vous dites, on est sur un salon de coiffure, mais nous sommes tous des techniciens capillaires et nous faisons des implants capillaires. Okay. Donc, probablement dans votre secteur, dans votre région, vous risquez d'être le seul salon qui offre ce traitement-là. Donc, on parle d'un avantage concurrentiel important. À partir de ce moment-là, oui, le réseau de soutien à l'entrepreneuriat pourrait envisager votre projet, même si c'est un projet de salon de coiffure. Merci beaucoup, Ed. C'est tout le temps que nous avons, mais merci encore d'être passé à l'émission. Et on espère qu'aujourd'hui, les conseils d'Ed vous auront éclairé sur les questionnements que vous aviez sur ce sujet. D'accord. Merci d'avoir rejoint Causons Affaires.